notre faculté de santé au sein de l'Université Paris Cité. Juste pour vous dire, avec la ministre des Sports, nous allons lancer l'accès à 20 000 billets gratuits pour les étudiants pour que vous puissiez aussi participer de façon plus facile à ces Jeux Olympiques. Je vous souhaite une excellente année. Éclatez-vous. À bientôt. Aujourd'hui, c'est un événement interfilière, fédérateur et basé sur le sport et la santé. Donc on a des ateliers sportifs que les participants vont pouvoir tester à tour de rôle. Et puis on a également un forum des associations où beaucoup d'associations sont présentes, notamment celles sur la solidarité, le handicap ou encore le tutorat pédagogique. Et on voit tout le monde bien participer aux ateliers physiques et même qui se produisent devant les participants. Donc c'est génial, ça donne un effet interfilière incroyable et je pense que cette journée elle est très réussie parce que tout le monde a participé avec grand plaisir à ces Olympiades. Franchement, c'était une journée enrichissante, on a rencontré beaucoup de 2A. Je trouve que c'est une super idée parce que nous, on n'avait pas l'occasion de rencontrer les autres professions de santé avec lesquelles on va travailler plus tard. Ça nous aide, nous, en tant que maïeutiques. C'est super pour notre engagement étudiant. Je trouve que c'est une super opportunité pour découvrir un peu toutes les associations. Moi, je suis au pôle Solidarité Internationale. On organise 8 missions humanitaires avec les étudiants de la fac dans 8 autres pays. Du courage, du courage, l'esprit d'équipe, l'esprit d'équipe. Et si tu devais résumer l'orthoptie en quelques mots? Dépistage, réadaptation. C'est très important pour une asso comme nous, qui promouvons l'interfilière, de pouvoir avoir plein de profils différents. Est-ce que tous leurs témoignages sont intéressants pour les PASS et les LAS? On prend énormément aussi de plaisir parce qu'on partage énormément de moments avec toutes les filles. On est vraiment une famille. Du coup, si vous voulez faire pom-pom, venez.